ce sont sûrement les insectes les plus emblématiques des zones humides. Les odonates, plus couramment nommées les libellules, sont des petites merveilles naturelles que l'on croit souvent bien connaître. Leur beauté, leur agilité et leur grâce nous ont toujours fascinés. Ils comptent d'ailleurs parmi les rares insectes plutôt bien appréciés. Les odonates sont divisés en deux sous-ordres facilement distinguables, les anisoptères et les zygoptères. Les anisoptères sont des libellules vraies, ce sont les grosses libellules que l'on voit passer d'un vol rapide au-dessus d'un étang ou d'une prairie et se reconnaissent à leurs ailes ouvertes au repos. Les zygoptères, eux, sont souvent appelés demoiselles. En effet, elles sont petites, fines, graciles, volent en un vol léger et ont les ailes repliées une fois posées. Les odonates ont un mode de vie particulier chez les insectes. En effet, elles sont complètement dépendantes des zones humides dans leur cycle de vie. Si nous voyons principalement les adultes volants et terrestres, appelés imagos, ils passent pourtant la majorité de leur vie sous l'eau à l'état de larve. Ces imagos cherchent d'abord un partenaire et forment ce qu'on appelle un tandem, puis s'accouplent et pondent alors leurs œufs selon les espèces dans l'eau, sur la végétation aquatique ou encore enfoncés dans les sédiments. Après incubation, les œufs éclosent et donnent des larves, larges et trapues chez les anisoptères, petites et fines chez les zygoptères. Ce sont de grands prédateurs et sont capables de consommer de grosses proies comme des têtards et des alevins, tout comme les adultes d'ailleurs, qui sont de bons chasseurs d'insectes. Ces larves vont ensuite se transformer en adultes, c'est le moment de l'émergence. Elles se dressent hors de l'eau, généralement sur une tige de plante, et se libèrent de leur enveloppe larvaire, l'exuvie. Le jeune adulte sèche alors ses ailes et finit par prendre son envol pour entamer sa vie terrestre. Il existe en France plus d'une centaine d'espèces d'odonates. Certaines sont très communes et en expansion, mais d'autres occupent des milieux spécifiques menacés et régressent. Allons maintenant à la rencontre de quelques espèces que l'on peut admirer dans nos marais. Les libellules aiment la chaleur. En début de saison, on retrouve peu d'espèces, mais on peut observer très facilement une grosse libellule très commune, la libellule déprimée. On peut la confondre avec sa proche cousine, la libellule fauve, qui apparaît un peu plus tard en saison. Mais c'est pendant les chauds mois d'été que l'on peut observer un maximum d'espèces. L'espèce la plus commune est sans conteste l'agrillon élégant. Cette petite demoiselle peu exigeante occupe tout type de pièces d'eau et se reconnaît à son abdomen noir avec une tache bleue au 8e segment.
L'agrion jouvencelle, commun également, se caractérise, lui, par un motif en forme de U sur le premier segment de son abdomen. Il y a de nombreuses espèces de petits agrions bleus que l'on distingue plus ou moins facilement au motif de leur abdomen, comme l'agrion large patte, l'agrion porte-coupe ou encore l'agrion de Van der Linden. Dans les tourbières aux zones de végétation dense, on peut retrouver l'agrion délicat, une petite demoiselle rouge assez rare en Picardie. Les lestes sont de grandes demoiselles aimant les lieux plus boisés, et, comme les anisoptères, ouvrent souvent leurs ailes au repos. Si beaucoup d'espèces apprécient les zones d'eau lentes ou stagnantes, certaines espèces, comme les Caloptérix, sont caractéristiques des petites rivières à courant plus ou moins rapide. Chez les anisoptères, les anax, empereurs et napolitains se remarquent facilement à leur grande taille et à leur vitesse de vol impressionnante, de vrais bolides volants. Ils font partie de la grande famille des aèchnes. Ces grandes libellules sont parmi les meilleurs voiliers de tous les odonates. Les cordulis, bons voiliers également, patrouillent inlassablement leur territoire et arborent des yeux métalliques de toute beauté. Et ici, cette grosse libellule rouge, c'est le Crocotémis écarlate. D'origine africaine, elle remonte de plus en plus vers le nord avec le changement climatique. Les Orthetrum et les Sympetrum sont des anisoptères plus petits et plus discrets. On peut très souvent observer les Sympetrum sanguins et faciés, l'Orthetrum réticulé ou des espèces plus rares comme l'Orthetrum brun ou l'Orthetrum bleuissant. Les gonfles, eux, sont de belles libellules jaunes et noires et se reconnaissent facilement à leurs yeux largement écartés, typiques de la famille.
Si beaucoup de libellules sont encore communes, elles sont malgré tout menacées par la dégradation et la destruction des zones humides, indispensables à leur reproduction. Le réchauffement climatique favorise certaines espèces méridionales, mais certaines espèces plus nordiques, comme les leucorhines, régressent fortement et voient leur aire de répartition diminuer. Pourtant, les libellules sont importantes dans la fonctionnalité des zones humides et font office de sentinelles. En tant que bio-indicateurs, elles sont sensibles selon les espèces, à la qualité de l'eau, à la présence de végétation aquatique irrégulière spécifique ou encore aux rectifications des cours d'eau. Protéger, il faut bien évidemment préserver nos zones humides. Favoriser une diversité d'habitats terrestres et aquatiques va ainsi les favoriser et creuser des mares sans poissons est par exemple une mesure simple pour créer de nouveaux milieux favorables. Suivre les populations est également important pour se rendre compte de l'évolution de celles-ci. Le suivi temporel des libellules Steli est un protocole de suivi simple où n'importe quel naturaliste peut contribuer à l'amélioration des connaissances des odonates pour leur meilleure protection à l'avenir. Les odonates sont des symboles forts de notre patrimoine naturel. Les connaître et les préserver sont donc d'une importance capitale si l'on est un minimum sensible à la beauté de la nature.